on Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur GSO Gaming pour la suite de The Evil Within. Nous sommes rendus au chapitre 10, les outils de l'artisan. Donc on se souvient que la dernière fois on s'était laissé sur une ouverture de porte, ça comme ça, qu'on ne voit même pas d'ailleurs. Je sais pas comment on est sorti en fait, un trou. On est passé dans un trou, voilà, c'est très bien comme ça. Donc ok. On se rappelle qu'on est toujours dans la maison, dans le manoir. Donc je pense que je risque d'être encore emmerdé. Il y a des chances même. Combien en as-tu tué, Ruben ? Ruben ? Il parle de Ruvik ? Ça n'a aucune importance. Je n'ai fait que leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur en m'aidant dans mes recherches. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, tu as fait subir des horreurs à ces gens. Ces pierres. Ces vermines. Ces. Crampé. Je me sers de vous comme il me plaît. Mais vous avez raison. Ce ne sont pas de simples recherches. J'approche de la perfection. C'est répugnant. Mais c'est ma volonté. Là, c'est pour sauvegarder, mais bon, ça sert à rien, on va commencer l'épisode, donc ça sera un peu ridicule de ma part. Ça, on prend, bien sûr. Et puis, bah, on va y aller. Hein. Ah, il n'y a plus qu'une balle. Ok. Seringue. Ça va pas être mal. Ça fait jamais de mal, les seringues, de toute façon. Ce bruit ne m'enchante guère. En plus, plus ça va, plus on descend. C'est cool. C'est cool. J'ai monté sur quelque chose, non? Pourquoi je peux pas y aller? Ok, on va passer par là. D'accord, les deux sont fermés. C'est bizarre quand le truc là, on peut pas récupérer. Trop beau, hein, d'façon. Ouais, bah, c'est pas grave, on va faire ça. Hein. J'ai envie de vous dire, on va faire avec. Thank you.
C'est sympa. Très sympa. Beau petit manège. Qui veut dans le petit manège? Manège très sympa, convivial. Hein. Qui donne très très envie. Alors ensuite. Qu'est-ce que tu me fais, tête de... Non mais attends... C'est quoi qui me tire dessus, au passage? J'ai aucune idée, c'est cool... Tout ce que je fais, c'est que je me dépêche... Quelque chose qui me tire dessus. J'ignore quoi. Ok, c'est bon. Putain, mais moi je te vise dessus, mon pote. Hein. Non, mais non, mais c'est dégueulasse, quoi. Attends, si je suis pas dessus, je m'appelle Maurice, hein. Je veux bien dire, je suis pas une pro en snipe, y'a pas de problème, mais de là à me dire que je suis complètement à côté, j'y crois pas. Ah non, mais franchement... Dégoûté, voilà ce que je veux dire, dégoûté. Ok, comme ça, bon, c'est réglé. C'est moi qui je rêve. J'arrive pas à le toucher, quoi. Allez, si, quand même, si. Voilà. Un de moins à me faire chier, déjà. Tac. Là, y'a rien à faire. Et là, je peux remonter. Ok. Alors, ensuite... Il n'y avait rien. Là par contre, il y a du monde. C'est bon, je suis sur le côté. C'est vrai que je suis pas drôle. Merde. Là. Merde. Putain, ouais. Il fait servir ce con. Et tiens bien ce con, putain. Pas lui reprocher ça. Alors. Un petit piqué rose. Non. D'accord, j'ai plus de seringue. Ok, c'est cool. J'ai rien d'autre. Cette
grosse batterie peut alimenter des appareils électriques en cas d'urgence. Ok, ça marche. C'est tout ce qu'il y a. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais putain, je l'ai pas vu, fils de chien. Non mais, vous imaginez quand même des morts vivants en sniper. Franchement. On voit ça où? Eyes Evil Waiting, forcément. Putain. Aïe, 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 bon j'atterris où? Ah bah ça, j'atterris à côté. À ce coup-là, mon pote, je vais pas te louper, quoi. Là, t'es mort, je crois. Par contre, je dois aller par où? Très bonne question que je me pose encore là. Ça n'a pas l'air d'être par là de toute manière, vu que c'est un cul-de-sac. Tu sais, c'est moi je viens de par là déjà. Ok, salut, ça va mon pote? Plus de munitions? Super. C'est déjà pareil comme douleur, hein. Ta gueule. Voilà. Tu te fous de ma gueule, sérieusement. Wouhou! Eh, j'ai eu un peu de bol sur les bords. Je vais attendre 5 secondes que la vie recharge un peu parce que. J'ai pas trop aidé. Ça va durer 5 secondes, normalement, pas plus. Ça va jusqu'à la barre rouge qu'on peut voir en haut à gauche. Voilà. Alors, ensuite. Et franchement, on mode même pas peur. Blondasse, bonjour. Ah, le mec, je l'ai vu, hein, mais je me suis dit, si je m'enlève, je suis morte. Donc, je me suis dit, je vais attendre. Mais ouais, mais pendant ce temps, l'autre, il en a profité, quoi. Où suis-je? D'accord, on me voit tout à l'heure, forcément. Comme quoi il est bien mon sujet à fond, mon sniper bien. Il est efficace. Hop, on descend. Et on éteint la lumière en même temps. Merde. Putain. Oh putain, c'est efficace, hein. C'est sûr, on peut pas dire. Oh.
Putain, je l'ai détruit, le mec. Détruit. Non, je vais pas prendre mes trucs. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas envie de taper comme ça. Je suis en train de baliser pour ça. J'ai pas envie de me faire pencher la tête. Y'a rien en fait pas. T'as rampé au sol, je ramperai au sol, mais je ne serai pas touché par la lame. À la poutre! Ah, ça t'a calmé direct, mon pote? Non, même pas. Ça t'a même pas calmé, quoi. Je récupère une petite seringue qu'on va prendre. Voilà. Ensuite. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, mais je m'en doutais que t'es pas mort. Ça fait trop la merde. Ah bah là la batterie, à quoi sert. Genre, vous êtes mort? Genre. Jessica. Carreau explosif? Si le mec s'approche et se prend ça dans le cul, ça va lui faire son drôle. Ça pue la merde, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je sens la merde arriver à 300 mètres. Ouais, déjà on récupère pas mal de trucs comme ça. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un. Ne me prenez pas pour un con. Ok, c'est bon.
ça. Putain, on la passe. J'ai eu énormément de chance. Putain, foiré. Putain, non! Putain, mais... Ah, puis celui-là, il nous regarde d'un air. Je vais te buter. Hein, tu le vois, ça, je vais te buter. Tu la vois, la balle entre les deux yeux? Et bam! Putain! Avec son sourire de niais, là, de narcotique, là. Putain! Pas vrai de voir ça. Enfoiré! Qu'est-ce que j'ai à dire? Enfoiré! D'accord, je t'ai pas à côté. Passeur. Sur le passage, on se voit s'agréer des kilowatts. Alors, je vais juste voir s'il y a quelque chose à recharger. Par exemple, le fusil à pompe. Par exemple. Bonjour. Putain, non, mais c'est pas vrai. Enfoiré. Putain, bah ouais, mais... Ah, ça va peut-être tirer à l'infirmière. J'ai jamais fait gaffe. C'est bête, hein. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est pas vrai d'être aussi nul ce soir. Putain. C'est la fin des week-ends de 3 jours, c'est pour ça. Faut que je m'en remettre. Allez. Chier. Allez hop, deux pour plus d'un. C'est gratuit pas cher. Et ça rapporte. Et ça rapporte même des balles. Et ça rapporte de la gelée. Hop. Attends, je le recharge, je vais, tu vois. On est des potes, ça. Franchement. Mais à chaque fois tu me le fais, ça, tu vas arrêter un de ces quatre ou quoi? Tu voulais un petit sourire? Tu l'as eu. Par contre, ça, ce truc-là, je le sens pas. T'as bien raison de pas le sentir. Putain, j'étais à perpète, quoi. Je l'ai détruit.
Ouais, je l'ai détruit complètement. Le mec, il a même pas eu le temps de se lever, quoi. Même pas eu le temps. Sa place, j'aurais eu peur. Alors... Je sais pas trop par où faut passer au final, en fait. Hop. Je le récupère. Je suis paumé, hein. J'avoue que là je suis un peu paumé. D'accord, en fait j'ai fait tout le tour, j'ai pris les trucs qu'il fallait. Tac. Faut être con, hein. Je veux pas dire. Allez, hop. Est-ce que j'ai une petite seringue? Non, j'ai rien du tout. Hop là. Hop. Et puis, bah, je vais vous laisser là, les gamers. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, après. Donc je vais vous laisser là pour la fin du premier chapitre 10. Enfin, le fin de la première partie du chapitre 10, oui, ça. Et puis, bah, on se retrouve pour la deuxième partie, du coup, dès demain. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée à tous. Et à bientôt sur Jesso Gaming. Salut, gamers.